Alors ouais, on voit ici que 40 secondes. Je crois qu'il y a une coupure dans la vidéo. Mais c'est pas grave. 40 secondes, ben on voit le résultat, hein. On voit vraiment au niveau du classement que l'eau du Carrefour ici, la celle des Alpes, eh bien nickel. Hein, on voit bien qu'elle est bien purifiée. Par contre, par rapport à la Spa, si on peut la comparer, je sais pas si on voit bien. Mais il faudrait un petit peu plus se rapprocher. Tu vois, on va dire les gagnants ici. Je vais essayer de faire le score avec les gagnants. Entre l'eau du robinet et celle des Alpes, on voit bien que celle-ci, elle a bien été. Elle est bien pure. Donc, ici, donc Volvic contre Spa. Spa a gagné. Mais on voit quand même, je ne sais pas si on le voit bien, elle est un petit peu jaune. Je ne sais pas si on le voit bien. Et ici, donc, Pirval de chez Carrefour et Nestlé. La petite Nestlé Pure Life, quand même, elle a l'air assez claire. Maintenant, je ne sais pas si on voit dans la vidéo. Là, on dirait un petit peu un jus de pomme, léger petit jus de pomme. Voilà les différences. Alors, comme vous pouvez le constater ici sur cet électrolyseur, il y en a une, bien sûr, en aluminium. C'est un aimant, hein. Une en aluminium, il n'y a rien du tout, hein. Et l'autre en fer. Ok. Voilà. Ici, forcément, il n'y a rien du tout qui aimante. Par contre, celui-là est en fer. L'autre côté, idem, hein, la même opération. Donc, je mets l'aimant ici à côté. Et voilà, vous voyez bien que. Hein. Donc, certains électrolyseurs, vous en avez deux en aluminium, peut-être. Hein, mais et forcément, c'est du côté où il y a le fer qu'on voit eh bien, les métaux lourds où se crée cette oxydation, et c'est ce qui donne cette couleur dans l'eau. Ici, ben, on voit bien que dans chaque verre où on trempe cet électrolyseur, eh bien, on a les deux types d'électrodes. On a aussi bien une en aluminium que qu'en fer. Voilà, c'est de la Volvic. Et ça, c'est l'eau du robinet. Alors, si vous avez le moindre doute sur mon expérience ou si vous souhaitez tester d'autres eaux, je vous invite à vous procurer l'appareil d'électrolyse et de me faire part de vos résultats en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette longue vidéo et je vous dis à très bientôt.